Et salut à tous, bande de trucs, c'est moi. Oui, vous voyez là. Ça va? Ah, oups, j'ai cassé un truc. Je remets. Mais c'est pourrir. En fait, je suis ici. Mais oui, j'ai trouvé la solution pour mettre mes skins. J'ai enfin compris comment ça fonctionne. Bordel de fils, en fait, il fallait juste mettre le modèle en fait en question et du coup c'est n'importe quoi quand tu vois j'étais fixé sur une autre version en fait. Mais c'est pas que ça en fait, si vous voulez, il fallait comprendre que il fallait juste utiliser ce truc là pour modèle bloc pour pouvoir exporter nos skins et pas le faire via le truc ici, tout simplement. Ce que moi j'essayais de faire, c'était via ici en fait. Maintenant il est là le skin, mais avant il n'y était pas. C'était via ici, tout simplement. Et je vois qu'il n'a pas le skin parce que dans la vidéo du gars sur YouTube, quand c'est une autre couleur et ça marque skin export. Alors je me dis, mais je comprends pas, je ne sais pas comment on fait. Et en fait, c'est parce que les modèles sont différents. Et du coup, j'ai été voir sur je suis tombé sur la vidéo officielle du modeur de Blockbuster, donc celui-là qui a créé le mode. Comme on dit, on sait tous, ceux qui créent le mode savent toujours mieux que nous. Et là, c'est entièrement vrai. Donc mieux que Monsieur Horse machin là. Et du coup, c'est comme ça que j'ai trouvé la solution pour mes personnages. Donc ici, vous avez ce personnage-là, et en fait, c'est simple, il faut juste poser ce skin-là. Vous pouvez juste faire ça et lui dire « Regarde vers moi, mon gars », parce que sinon, c'est moche. Vous allez tout simplement dans « Pick et vous sélectionnez le modèle que vous voulez. Donc ça, c'est un modèle récemment ajouté. Mais il faut savoir que j'ai aussi fait mon propre truc. Donc je me suis basé sur celui-ci, et après, j'ai fait « Éditer ». J'ai été dans matériaux et j'ai fait prendre le skin. Et en fait, si vous voulez, vous avez ici, dans ce truc-là, donc c'est dans Blockbuster, je vous montrerai après où c'est, vous avez plusieurs trucs, normalement tous les autres font ça dans Fred. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément payé mon propre truc de skin, donc My Skin, que j'ai nommé, donc c'est un nouveau folder. Et là, j'ai tous les personnages que je n'avais pas eu. Donc si je vais exporter celui-là, je fais ça et hop, il est exporté, hein. C'est bon, il est présent. Je peux aller voir tout simplement dans le truc. Donc attendez, parce qu'il y a eu un bug ici. Et il sera exporté. Voilà, regardez. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Il est ici. Et c'est comme ça qu'on fait pour exporter ces personnages. Et moi, je ne savais pas ça. Hop. Donc du coup, à chaque fois, bah, il faut aller là pour exporter le modèle. Donc si ça s'appelle Fred, machin, mais ça, on s'en fout. Moi, c'est autre chose que j'ai sélectionné. Donc après, tu fais Pick Skin. Je vous montre plusieurs fois comment on fait. Hein. Hop, ici, matériaux. Et vous faites prendre et vous récupérez votre hôte. Et après, vous faites échappe. Et voilà. Donc celui-là, c'est une version machin, là. Voilà, voilà, il faut continuer comme ça jusqu'à temps que vous avez tous vos skins. C'est pas compliqué. Après, je peux recasser ce truc-là. Il est enregistré, hein, normalement. Il est enregistré dans les modèles, normalement. Il doit y être. Je pense qu'il doit y être. Quoi qu'il arrive, il doit y être. Oui, voilà, il est dans le récent, il n'y a pas de problème. Vous pouvez casser après. Et dernièrement, ben voilà, c'est comme ça qu'on fait, quoi. Voilà, voilà. Comme ça, si au cas où vous ne savez pas comment on fait, ben, regardez ce que je fais. Je le fais plusieurs fois exprès pour que ça vous entraîne aussi. Donc, surtout, à chaque fois, je sélectionne celui-ci en dessous, Blockbuster Model. Et c'est comme ça, je fais éditer. Je vais dans matériaux et je fais prendre skin. Et pour terminer, je vais prendre celui-là et je fais échappe. Et voilà comment on fait pour avoir tous les skins qu'on souhaite. Et du coup, là, mes skins sont bel et bien tous présents. Et ça, c'est classe. Voilà, ils sont là. Ils sont beaux, ils sont là. Et ça veut dire que je peux faire de la vidéo et tout ça. Et ça, c'est classe.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo tout mou, net pour le LOL, on va relancer le truc. J'espère que cette petite vidéo tout mou vous a plu. J'espère que c'était sympa à regarder. Donc voilà, comme ça vous savez comment on exporte des skins. Donc je vais peut-être vite vous montrer comment on fait pour tout simplement dans quel endroit il faut aller. Hein. Je vais faire ça direct après. Et du coup, voilà. Donc ici, je vous dis à peu plus. Et portez-vous bien, bande de petites trutruf. Je vais juste vous montrer dernièrement le truc que je vous ai dit. Ciao, bande de saucisses grillées. Au revoir moi-même. Au revoir. À bientôt moi-même. Il s'en va dans les cieux. Et salut à tous. Je vous montre rapidement où il faut aller pour Minecraft. Hein. Donc vous allez dans, vous faites add data pour 100 adapta. Donc je sais plus comment, je sais plus c'est quoi le contrôle pour faire apparaître tout ce que, parce que je l'ai plus fait depuis longtemps. Parce que moi en fait, je vous dis, hein, je vous invite à faire pareil. C'est d'épingler le Minecraft, d'épingler tout ce que vous avez besoin. Comme ça, c'est sur le côté. Du coup, dès que vous avez compris comment vous avez compris, ben vous faites AppData pour 100 AppData. Hein, et ben, tout simplement, vous allez dans Configuration, dans Blockbuster, dans Modèle. Et là, vous pouvez soit utiliser ce qui est déjà fait ou faire votre propre truc. Donc, My Scheme, c'est moi qui l'ai créé. Et c'est là que tous les skins sont. Voilà, c'était une vidéo pour vite vous montrer comment on fait comme ça. Je vous dis à bientôt, monde de trucs. Portez-vous bien. Ciao.